Chaque jour qu'on dort, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonjour, monsieur William Senou. J'ai reçu une plainte contre vous. Il s'agit de quoi concrètement? C'est mon affaire de 15 400 000 francs que Yannick Sabzé m'a volé. Hein? Mais je ne comprends pas. La plainte est contre vous. Qui porte donc plainte? Un individu m'a une fois de plus porté plainte. Ah! Tu dis qui? Black. Hein? Qui? 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 Black. Hein, papa? Et c'est Cool Black que tu appelles un individu? Yeah! Vraiment, je suis étonné. Pour commencer, ça c'est d'abord de l'insulte. C'est que tu es plus bête que la chef de mon voisin. Ok, je note que je suis bête. Dis-nous, c'est la 15e fois que cet individu vous porte plainte? Une énième fois. Madame, ce n'est pas votre affaire. Laissez-le répondre. Je te dis que... Bon, c'est nous, réponds-nous. C'est la 15e fois. Depuis un an qu'il me porte, il m'a porté plainte 4 fois. Là, il a... Ok, qui d'autre en dehors de cet individu t'a aussi porté plainte? Depuis que je suis né, depuis que je fais les affaires, depuis... On ne m'a jamais porté plainte, mais... Petit menteur. Ok, avant qu'on avance, c'est mieux que tu nous donnes le nom de cet individu toi-même. Cool Black. Hein? Qui? 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 Cool Black. Voilà, ça nous rassure. C'est donc quoi le souci? Quelqu'un est en train de manger ton argent. Quelqu'un est en train, tous les mois, Facebook est en train de te payer quelqu'un, te payer dans le compte bancaire de quelqu'un à ton insu. Il bouffe. Ah bon? Pendant qu'il est en train de bouffer ton argent tous les mois, là, on vient 800 000, 900 000, 1 million, 2... Là, on vient, tous les mois, il mange. C'est encore lui qui vient te porter plainte en disant que tu exploites son nom sur la page en question. Mon frère, est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? Regardez, calmez-vous. Ouais, calmez-vous. Il est justement dans mon cabinet pour nous donner les preuves. Continue. Il part au tribunal avec moi. Il me porte plainte. L'affaire n'aboutit pas. On les condamne aux dépens. L'affaire est finie et close. Ah. C'est nous. L'affaire de 15 millions là sort d'où? Je découvre maintenant qu'ils ont volé mon argent. 15 400 000 francs qu'on les a payés en un an. Aïe! C'est l'argent de quoi? Mes revenus Facebook. Quoi? Mes revenus Facebook. Tes revenus Facebook, c'est ça? Oui. C'était quoi l'objet de la première plainte? La première plainte était que Cool Black me porte plainte en disant que j'exploite son nom sur ma page Facebook. C'est-à-dire que je dois enlever son nom sur ma page Facebook. Mmh. Sur ma page, non, pas pour lui. Sur ta page, tu dis bien. Oui. Et maintenant, il te porte encore plainte en disant quoi? Il me porte plainte maintenant, il dit que c'est la page, c'est pour lui qui veut sa page. Pourtant, c'est ta page, c'est ça? Ma page, non, pas pour lui. Hein? Ma page, non, pas pour lui. Ah! Ok. Bon, Alice, dis-nous, c'est quoi ce problème de page? Il fallait que le boss remette la page Facebook parce qu'il disait que si aujourd'hui le boss vit comme il vit, c'est parce qu'il mange l'argent de la page Facebook. Bon, je sais que tu es un peu proche de Cool Black. Tu as essayé de discuter avec Cool Black depuis que cette histoire a commencé? Moi, je suis là au milieu. Par moment, j'essaie de parler à Cool Black qui ne veut pas me comprendre, qui est catégorique dans sa tête. Ok, dis-moi, celui que tu appelles ton boss là, je sous-entends que c'est nous. Est-ce qu'il ne se prend pas souvent trop la tête? C'est vrai, moi je dis tout ça. C'est vrai qu'à un moment donné, même moi, je vous assure, j'ai détesté, parce que Aïe sera trop dit, mais j'ai détesté mon boss, mon père, je l'ai détesté, que je suis allée sur le statut comme ça. J'ai dit, mais bon sang, Seigneur, pourquoi? Ah bon, hein? Pourquoi? Mais c'est défaut. Si tu ne peux pas le supporter, tu ne vas pas pouvoir rester à côté de lui. Pourquoi? Parce que ses défauts pèsent. Il a peut-être deux défauts, mais ses défauts pèsent. Bon, ça va, la suite n'est pas trop nécessaire. Dis-nous, parle-nous de la page Cool Black. Cool Black, à un moment donné, Cool Black, on a fait le grand Cool Black. Nous tous, on a tourné à l'intérieur. Beaucoup de personnes ont tourné à l'intérieur. On déplaçait les gens de Douala, de partout pour venir tourner à l'intérieur. Mm-hmm. On avait créé la page Facebook. Mm-hmm. Maintenant, le boss... À l'époque, là, bref, à la période là, il ne maîtrisait pas vraiment Facebook. Ce qui fait que pour que la page puisse monétiser et tout, il fallait qu'il voie une personne. Ah, ok. Donc, William, c'est nous. C'est de lui que tu traites de voleur, c'est ça? Yannick Sabzé m'a volé. Le nouveau manager de Cool Black? Qui était le nouveau manager de Cool Black actuellement? Yeah. Ok, avant de continuer, je voudrais rapidement vous inviter à la découverte du complexe Las Vegas à Messassi. Ok. Voilà, désormais, si vous avez vos événements à célébrer, n'hésitez pas à contacter le complexe Las Vegas situé à Messassi. Le complexe Las Vegas dispose de deux salles de fête climatisées, hein, avec des couverts, des didiers et un espace pour la cuisine. Vous avez également besoin d'un endroit pour le repos. Rendez-vous rapidement au complexe Las Vegas. Là-bas, il y a 10 chambres VIP et 10 chambres classiques. Un restaurant VIP également et un snack bar. Appelez rapidement le contact qui s'affiche au bas de cet écran pour entrer en contact avec
le responsable du complexe. Ok. Donc, Alicia me fait comprendre, c'est le nouveau manager de Cool Black qui a monétisé la page Cool Black, c'est ça? J'ai appris qu'il a cherché à faire que la page monétise et tout, jusqu'on a fini de tourner, même le grand Cool Black, on n'avait jamais rien vu. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui sépare Cool Black de son ancien patron concrètement? À un moment donné, Cool Black s'est fâché. Je sais que qu'est-ce qui avait même entraîné la fâcherie. Cool Black s'est fâché. Il s'est vraiment fâché. Il n'était même plus membre parce que nous, on venait encore au BCC. Lui, il ne venait plus. Il n'était plus membre du BCC. Bon, ça va, s'il te plaît. Parle-nous de Cool Black. Cool Black, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué parce que. Moi, je dis ça pourquoi? On l'a fabriqué à la base. C'est vrai qu'il donne de lui, oui. Il a le talent. Cool Black a le talent, oui, nous sommes d'accord. Mais Cool Black, c'est quelqu'un qu'il faut franchement tenir la main. Hein? Et si on ne lui tient pas la main? Si on ne tient pas vraiment la main de Cool Black, il se perd. Quitte là-bas! Voilà, en tant que collègue, est-ce que tu allais essayer toi-même de résoudre ce problème-là? Plusieurs fois, je ne sais combien de fois, j'ai dit à Cool Black que papa, je veux qu'on arrange cette situation à l'amiable. Il faut qu'on s'asseye en cause. Cool Black m'a dit qu'il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus rien arranger. Hein? Donc il n'y a plus d'espoir? Que c'est mort, on ne peut plus rien faire. C'est pas possible. Et l'histoire de 15 millions, c'est quoi? Un jour comme ça, subitement, le boss m'appelle, il me dit que... Est-ce que tu es au courant que les 15 millions sont... la page Facebook a donné 15 millions et ils ont pris l'argent et tout. Je dis quoi, monsieur? Ok, pourquoi ça te surprend? Parce que je sais d'abord qu'en janvier, c'était janvier, début janvier ou c'était en décembre, je cause avec le boss par rapport à la page Facebook. Le boss me dit que non, je suis sur la procédure. D'ici janvier, l'argent va tomber et je vais appeler tout le monde, tous ceux qui ont participé au projet. Je vais donner l'argent à tout le monde. Même Cool Black, je vais l'appeler, je vais lui donner sa part d'argent. S'il veut, il vient, s'il veut, il ne vient pas. Et quand tu as reçu la nouvelle de Senou, tu te comportais comment? Sur le coup, j'essaie d'appeler Cool Black, il ne prend pas. J'appelle son manager, il ne prend pas. Et son manager? J'envoie le voice à son manager. C'était le voice, le message, je ne sais plus trop. Je lui dis que, comment se fait-il que on a parlé de Facebook fatigué. Entre temps, j'apprends que vous avez déjà eu l'argent de Facebook. Et vous ne m'avez jamais dit, vous n'avez jamais rien dit à personne. Il ne m'a pas répondu. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas répondu. Au début, tu nous disais que Cool Black t'avait dit quoi? Cool Black m'avait dit quoi? Cool Black m'avait dit que... je ne sais plus trop ce que Cool Black m'avait dit, mais c'était rien d'important. C'était vraiment rien d'important. Moi, j'étais juste dépassée, j'étais scandalisée. Quitte-la! Ok, merci pour ton intervention. En attendant la version de Cool Black, parce que je suis cette histoire de près. En attendant donc la version de Cool Black, je vous invite à vous abonner massivement sur ma page et sur ma chaîne YouTube Franco Le Mignon. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.